Presque. Salut Michel, j'aurais dû l'appeler Michel. On a réussi. Respirez, il va falloir y aller doucement. Ça fait 600 ans que j'y vais doucement. La synchro labiale est très bien réglée. L'équipe du pionnier. Qu'est-ce que vous en pensez? Ceux qui nous cherchent. Navigation. Les cheveux de l'autre, c'est pas possible. Même 600 ans après, c'est pas possible. Les commandes ne répondent plus. Waouh. Commencez par réparer les pannes avant tout. Ah si, ah bah tiens, maintenant il s'accroche. Putain, cette VF de dingue. Ryder, tu peux prendre mon bras s'il te plaît? Je suis en train de mourir. Ah non, c'est bon. La VF est dégueulasse. En fait, la VF, elle a... Ils ont tourné les textes. On dirait qu'ils ont tourné les textes sans avoir l'image du jeu. Et en fait, ils ont pas pu se coller à ce qui se passait à l'image du jeu, et du coup... Ouais. En voilà de l'improbable. Ces rochers flottent dans les airs. Ça va? Tu vas tomber, fais gaffe! Bienvenue sur la bite à 7! Mais sur la bite à qui? Où est-ce que t'as... Là. T'as l'air d'avoir marché! Ouais, je l'ai fait dépoper. On a essayé de discuter et ils n'ont rien voulu savoir. Qu'est-ce qu'on pouvait faire? Vous m'avez sauvé. Moi, on est fixé. Les brochures étaient un peu... Vous m'avez sauvé, on est fixé maintenant. Il y a vraiment un souci avec les yeux quand même dans ce jeu. Toujours pas. J'ai une idée. Rejoignez mes coordonnées tout de suite, on va. Bon sang, ils m'ont repéré. Oh, cette VF. Bon sang, et moi qui avais pensé les avoir semés, ils m'ont repéré. Voilà, c'est mieux ça. Ah, mais il a une tête de Coraya, c'est pas un méchant. Mais non, mais regarde, on dirait qu'il est sur Gulli, quoi, sérieux. C'est pas un méchant, il a une tête de Coraya, le machin. Je suis prête. On n'était pas prêt à faire de la chute libre sur la bite à 7 non plus. Tu fais de la chute libre c'est sur bon. La bite à 7. Putain, quand je rencontrerai ce 7. Oh là, le pathfinding. Le pathfinding est un peu par terre. Alec Ryder. Je suis sa fille. Mon père est mort. Il m'a choisi comme successeur. Alec. Est mort. Il y a des yeux comme ça qui partent comme ça, il y a des scripts de yeux. Oui, comprenez, c'était mon père et il est mort. C'est toute l'initiative qui t'en. Ça te pose un problème? Les mondes en or n'ont rien donné, un total échec. Et nous sommes sans nouvelles des c'est autres. C'est ton père quoi. Tu as fait la tristesse. Aucune idée. Nous sommes presque à court de provisions, malgré les rationnements. C'était quoi ce plan caméra? Ils ont oublié de. En fait, ils ont oublié de brancher la tristesse, je crois, sur les nous expressions de visage. Bras pour trouver d'autres ressources. Vous aurez besoin de bien plus que l'enthousiasme de votre jeunesse dans Andromède. Eh bien, quelle hospitalité. Quoi? C'est quoi ce vrai xémophile? Nakmorkesh, gardienne de la station. J'espère qu'ils ne vous ont pas déjà donné envie de repartir. Mais cela n'a rien de personnel. Mais l'heure n'est pas à la formation sur. Mais non. Au moins notre pionnière semble prête à essayer un point. Mais retrouve tes balages, Krogan. Tu fais la honte à toute ta famille. Je voulais juste vous à toute ton espèce. Faites-en ce que vous voulez. Mais elles sont parties où tes cordes vocales? C'est quoi ta tout le monde est sous pression. Tu trouves qu'il est sous pression le Vrex là? C'est quoi un Vrex? Un Krogan? Bienvenue sur le Nexus. C'est une Krogan? Ah. Mais non, mais même une Krogan, c'est un peu plus. Eh, ma grand-mère serbe, elle faisait 1m90, elle faisait 120 kg, c'est une Krogan. Ça, non. C'est pas une Krogan, ça. Salut, ma belle. On va bien s'entendre tous les deux. Je vais te refaire une beauté et tu seras surpris en un rien de temps. Je n'ai qu'à te raccorder à tout ce courant qui n'attend que toi. Ah, c'est la. Ok, on m'a jamais dragué comme ça. J'avoue, là, ça m'a titillé un peu le clito. Bonjour. Tu veux, je te. Vas-y, raccorde-moi. Non. Que de la gueule. Nous n'avons pas le choix. Bon, que s'est-il passé? Hein? On dit comment? Et je vous parle de votre père. Pardon, c'est la fatigue. Enchaîne pas des phrases comme ça. Pour l'instant, j'aimerais juste savoir ce qui est arrivé à Alec. Pas comment il est mort. J'ai regardé les registres. Mais je voudrais savoir ce qui est arrivé à notre pionnier. Si ça fait, je sais pas. Et ça fait ça. On dit comment? Hein? Alors, comment s'est passé avec votre père? Ok. On dit quoi? Non, sérieux, c'est... un truc de fou. C'est un truc de fou. Ça fait longtemps que j'ai pas vu une application d'acteur et une VF aussi ratée dans un jeu. C'est chaud, c'est chaud. C'est vraiment chaud. Ce n'est pas un titre héréditaire.
Ça... Si nous voulions une monarchie consanguine... Mais regarde les yeux, il y a un problème dans les yeux. Notre patrimoine génétique chez nous. Dans la Voie lactée, je veux dire. C'est ici, chez nous. Oh. Ce chantier. Je crains que nous n'ayons guère le choix, Ryder. Espérons que vous donniez raison à votre père. Mais après 14 mois de colonisation ratée, pardonnez-moi si je n'y compte pas trop. Ça, c'est la copine d'un mec qui putain, tu travailles sur Mass Effect, je peux faire une voix, s'il te plaît. Notre poste étant actuellement plus bas qu'escompté, mon influence est limitée. C'est un plaisir de me le rappeler. T'es une robot. J'ai quitté une carrière respectable de dire... Pour nous défendre, si. Mais je me méfie d'une influence militaire grandissante dans une initiative soi-disant civile. Nous sommes venus ici pour écrire l'histoire, Ryder. Pas pour qu'elle se répète. Encore une envolée lyrique, pardon. Cette technologie étrange, quelqu'un l'a étudiée ? Nous avons essayé, pas moi, nos savants. Mais comment tu peux lire ton texte comme ça ? L'excuse du moment, la technologie trouvée sur Mars était plus avancée, mais prête à l'emploi. La technologie d'ici, elle pense différemment ? Je ne sais pas, nous avons gardé nos distances. Il n'y a aucune ligne, aucune intonation. C'est sûrement mieux comme ça. Aucune ligne de dialogue est délivrée de façon correcte avec ce personnage. Je sais pas, nous avons gardé nos distances jusque-là. Et vu ce que disent les registres de l'Hyperion, Alec, c'est sûrement mieux comme ça. T'es sérieux ? Nous aurions des colonies prospères, le Nexus serait la nouvelle... Ça va, l'intonation correspond au visage. Moi non plus. Excusez-moi, madame la directrice. Ryder ? Pionnière. Ryder, nous mourrons de faim ici. Sans avant-poste pour tentative d'humour ou c'est mal barré ? Autant être mort depuis 600 ans. Alec a fait beaucoup de promesses. Je n'en ai pas vu la couleur. Les gens ne vous feront pas confiance. À commencer par moi. Prouvez-moi que j'ai tort. Oh là 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 là, mais tu peux pas finir ta phrase par prouvez-moi que j'ai tort. Tu peux pas finir ta phrase sur une note haute. Prouvez-moi que j'ai tort. Prouvez-moi que j'ai tort. Prouvez-moi que j'ai tort. Prouvez-moi que j'ai tort. Ça veut dire que tu interjectes une virgule et que la phrase continue derrière. Prouvez-moi que j'ai tort. Ou alors, on va pas devenir amis. Prouvez-moi que j'ai tort. Point. Comment tu lis ton texte ? Et ils ont tenté une blague. Allô, oui, moi, pionnière. Quoi ? Hein ? Oh, ça s'annonce épique. Vous devez être la pionnière. Merveilleux. Vous et votre Sam, vous êtes exactement ce qu'il nous fallait. C'est quoi ce cagou capuche derrière ? Professeur Eric. Mes collègues et moi travaillerons avec votre Sam et les données que vous collectez. Oh, il est arrivé comme un cake dans le cadre. C'est ça fait. Ça fait le journaliste télé qui fait son truc et t'as un vieux cake derrière. Ouais. On dirait qu'il s'est passé bien des choses avant que l'Hyperion arrive à quai. On peut dire ça. Attendez, mais oui. Vous êtes forcément hors du coup. Vous n'étiez même pas là pendant la mutinerie. Est-ce que... Mais vous pourriez m'aider. Quand il y a si l'émotion dans la voix, faites quelque chose avec le visage. C'est un système essentiel. Hey, aujourd'hui, je suis trop content. J'ai gagné un truc au loto. Waouh, c'était monstrueux. Mais qu'est-ce que j'étais triste quand j'ai marché un peu dans une merde du pied gauche. Faites quelque chose avec votre visage. Vivez, merde. Hiram, ils ont capturé le camp. Fais-nous évacuer. On n'abandonne pas Nilken, on va le reprendre. Non, je te laisserai pas nous conduire à la mort par orgueil. Oh, cette VF, ce jeu d'acteur. Ah, non, éloignez-le de moi. Oh, ce jeu d'acteur.